Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mr. Ghost, une chaîne exclusivement Lego, au 100% du jeu comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous vous êtes bien installés, car derrière, on est parti pour un nouveau gameplay sur le Harry Potter années 5 à 7. Et oui, je cherchais un peu mon mot. Et on a pris, comme je vous l'ai dit au dernier gameplay, j'ai pris Hagrid et nous avons pris Croque-Dur. Oui, je les ai pris tous les deux. Et on va aller faire ce petit gameplay avec Croque-Dur. Quoique, ou peut-être Hagrid entre les deux. Mon cœur balance, je sais pas lequel prendre. Bon, je vais prendre Hagrid et puis on verra par la suite. Et ça va être le dernier épisode de cette saison 5. Oui, parce que 4, 5, on va faire le dernier épisode. Hein. Donc on aura nos 3 personnages à découvrir. Le 100% des pièces, plus le étudiant en danger et les 4 emblèmes de Poudlard. On va faire ça en mode joli, et puis je vais prendre un grid. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de personnages quand même. Et ça me plaît beaucoup, car d'ailleurs on va voir un peu tout ce qu'ils font, et voir un peu s'il n'y a pas des autres personnages qu'on pourrait voir faire de la magie ou creuser directement. Oula, il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Est-ce que toi tu sais faire? D'accord, ok. Toi tu sais faire? Ouais. Bon, alors j'ai quelque chose ici. Bim, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon bah, on commence déjà très mal, hein, je vous le dis tout de suite. Hermione, en fais-moi une petite plaque, on va voir un peu ce que tu me proposes d'ailleurs. Je suis un peu perdu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ici ? Un seau, oui. Et il me balance je sais pas quoi, un poisson. Moi je voulais un emblème, je sais pas, un personnage. L'étudiant en la rigueur. L'étudiant en danger, ça serait bien aussi. Non? Bon bah, ça sera l'emblème de Serre d'Aigle. Alors comment on fait maintenant pour récupérer ça? Ça va être encore une autre histoire. Hein. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Et c'est bon, donc ça, j'ai répondu à ma question. Allez, monte, Hermione. Et il me faut quelqu'un maintenant qui fasse de la magie noire. Magie. Magie noire quand tu me tiens. Eh ben ce sera toujours. Ah, c'est Wixley. D'accord. Eh, il fait pas mal de dégâts quand même. Hein. Eh ben ça nous fera notre. Ah, professeur Dumbledore. Ah ben c'est cool quand même. Bon, alors ici on n'a plus l'air d'avoir grand chose. Hein, à part. Toi tu fais, hein. Ouais, c'est bon. Bon. Ben je crois qu'on va suivre notre petit cours d'histoire. À part si on trouverait. Notre étudiant en danger, hein. Ah, mais vise. Bon, d'accord, ok. Je vais viser moi-même. Carré, s'il te plaît, voilà. Et on va lui une petite torche. Non, je pense que c'est pas une torche. Parce que ce temps-là, ça n'existait pas, les torches. C'est plus un feu de camp. Un beau petit feu de camp. Donc, il va falloir l'allumer avec la petite torche qui est ici, hein, vous. Et éclairer la petite échelle qui est ici, voilà. Et l'araignée nous passe complètement à travers. C'est pas grave. Et allez, monte, monte. Alors, on va prendre le super pouvoir. Allez, hop, c'est bon, on détruit tout. Est-ce que. Eh, non, tu tombes pas, Mirin. Ne tombe pas, surtout parce que sinon on n'est pas dans le bras. Non, mais vise quand même, ce serait bien. Voilà, donc il n'y avait rien du tout. Voilà, les. Ça, et on a besoin de. Ouais. Un vert, rouge, jaune. Donc, vert, rouge, jaune. Donc, c'est. Bleu. Vert, rouge, et jaune. Et voilà. Et j'avais pas vu le premier. Non? Ça marche pas? Ah, si, quand même. Bon, c'est bon. Je vais pas trop vite parce que sinon j'ai risque de tomber. Qu'est-ce que ça en est ici? Tic. On a rien. Bon, ok. Alors, ça c'est l'emblème de. Hop, voilà. Nous avons. Ah bah, ça c'est lui tout en haut. Ça c'est lui tout en haut aussi. Non, non, reviens. Non, je veux lui là, en bas. Voilà, pareil. Pour finir, quand même, ce serait bien. Quand même, non. Oh. C'est ça, ouvre-toi. J'aime la porte quand il s'ouvre comme ça. Par contre, tu peux plus faire demi-tour, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, rien qu'avec une pièce violette en x2, c'est bon, ça m'a fait mon 100%. Hein. Ok, alors.
D'accord, ok, on a des diamants à découvrir. Alors, on a intérêt à avoir l'œil, hein, quand même. Parce que sinon, on peut les louper, ceux-là. Alors, Roger, arrête de souffler comme ça. Alors, on va faire le deuxième. Ça a l'air d'être bon, hein. Le troisième, il est ici. Roger, il s'est cassé la figure. Quatrième, il est ici. Et on va aller faire le dernier qui se trouve... ça va, il se trouve devant les cristaux. Je pensais qu'il serait trouvé dans quelque part, vous savez, dans l'eau ou un truc comme ça, mais non. Eh bah, ça nous fait nos deux emblèmes, hein. J'avais Hagrid. Est-ce que Hagrid... Hagrid, ah oui. Voilà, c'était ça. Ah bah, ça nous donne... Voilà. Et trois emblèmes, hein. On a fait trois emblèmes, il nous manque plus qu'un emblème et trois personnages. Et deux personnages qu'on a déjà trouvé Dumbledore. Bon là ça va être un boulot pour... il y a une autre pièce violette ici, hein, dans quoi. Est-ce que toi tu sais le faire? Ah non, il sait pas le faire. J'aurais voulu voir un peu, hein, si au cas où. Toi non, c'est sûr. Jaune, vert, rouge. Ok. Jaune, vert, rouge et le bleu pour ouvrir cette porte. Voilà. Alors là, on va faire un petit nettoyage, hein, pour les dalles. Voilà. Et on va s'amuser à trouver les petites dalles qui vont avec. Donc là, il faut juste suivre les couleurs qui nous indiqueront. Et sans se tromper, bien sûr. Parce que sinon, on recommence. Alors, jaune, vert, boum et... Bleu, rouge et jaune. C'est bien, nickel ça. Bleu, rouge, jaune. Voilà. Et on va commencer par le vert maintenant. Si mes souvenirs sont bons. Et on finit par le bleu. Ok. Alors, faut pas. Ding, ding et ding. C'est bon? On a réussi. Nickel. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ah, ok, ça c'est le balai, on s'en fout. Allez hop, on y va. On va continuer. Notre petit périple sur cette petite île qui me paraît pas très fiable. Ouh, et... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Il me faut quelqu'un qui fasse de la magie noire. Ah bah voilà, ok. Croque dur, non, tu veux pas? Ouais. Ouf, j'ai eu peur. Alors... Ah bah justement, le deuxième est ici, c'est bien. Donc à mon avis, le troisième sera de l'autre côté de la même chose. Par contre, ouais, Rogurs, t'es gentil. Mais hop, voilà. Et toi, je vais te changer, hop, voilà. Et je reviens avec lui. Voilà, ça m'en fait deux. Et on va reposer ça, positionner ça à son état d'origine. Car d'ailleurs, il va falloir... Voilà, ça c'est bon. On va réappuyer sur les petites balles, hein, sans le... Car derrière, c'était Crobir qui nous faisait sa petite leçon de vie. Il y avait soif. Mais s'il y avait soif, on aurait pu attendre un petit peu, hein, peut-être qu'il aurait tout bu. Alors, ça c'est bon. Bah voilà, ça nous fait le deuxième personnage, hein. On en a pas trois. Et il nous manque toujours un emblème et un personnage. Et l'étudiant. Mon dieu, j'ai encore oublié l'étudiant. À croire que... Bon, il faut que je change tout de suite en Dumbledore, là. Dumbledore. Hop, voilà. Hop. Voilà, tout de suite. Et il me faut Dumbledore. Dumbledore, ah voilà. Allez, hop, lâchez-moi. Hop, voilà. Voilà, hop. Non. Lâchez-moi, sérieux. Tu vas le lâcher, ouais. Ah bah, il va mourir. Malheureusement, il va mourir.
Oh, il est où lui? Tu reviens là? Oh. Eh, t'étais loin mon grand. Oh. Voilà, hop, ça c'est bon. Oh, oh, oh. Voilà, ça c'est bon, hop, voilà. Et... ça c'est bon. Il nous en manque plus de 3 encore. Hein. Et c'est dur quand même, hein. Allez hop, on y va, Dumbledore, monte. Et on va prendre... voilà, ça c'est bon. Allez, allez, reste plus que... 2 normalement. Hop, voilà, ça c'est bon. Eh, vas-y. Ah, ça c'est... on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver tout doucement. Ouais, ça c'est bon. Laissez-moi un peu le temps de nous retourner. Hop, voilà. Et ça devrait être bon, on n'a pas mouru. On n'y est pas mouru. Voilà, ça c'est bon. Enfin, nous avons réussi. Réussi tranquillement à faire ce petit mode de battle avec les monstres. Et nous avons Dumbledore qui s'est un peu énervé quand même, hein. Oh. Mais bon, ça c'est... c'est pas bon. J'ai fait tout le boulot quand même. Il aurait pu m'aider. Et là, t'es au blondinet avec le club des noirs. Allez, fous-moi le corps, je veux pas te voir. Et le blondinet arrive, il va mâcher le boulot. Eh, il peut pas. Bah ouais, je savais bien qu'il n'y avait pas de cran. Et Rogue, il dit, ferme-la, je m'occupe du reste, même si je le tue, je te tais. Et ils avaient passé un accord, mais ça on l'a pas vu, hein. Au revoir. Eh, il y a même le main qui vous dit au revoir. Ah, mes amis, il faut pas le voir. Et c'est la club, c'est la fête au club. Bon, et bah Harry Potter est toujours à la poursuite de notre ami, hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Toi tu te barres. Ok, alors toi tu m'embêtes. Est-ce que je vais encore en avoir? Et il me faut de l'eau. De l'eau, voilà. Voilà, ça c'est bon. On va tout éteindre, hein. On va voir un peu ce que ça me propose. C'est quoi ça ici? Nous faut-il pas un peu de... non mais, je me trompe. Non mais... toi, normalement tu fais de la lumière, non? Non, il fait pas. Bon bah, va changer, hein. On rechange encore une fois. Toi, normalement tu le fais, non? Bah non, il le fait pas. Qu'est-ce que j'ai besoin? Oh, attendez, est-ce que c'est pas Ron? J'aurais pas une lumière qui se baladerait? Ron? Ron, voilà, alors on va voir un peu avec sa loupiate là. Ah, bah si, regardez. Elle est juste là. Elle était juste derrière... Hagrid, cherchait son nom d'ailleurs. Voilà, hop, ça c'est bon. Et ça va la libérer. Parce que si c'est pas la magie, c'est aussi automatiquement une loupiote de Ron. Ok, alors. Toi, t'es bon? Là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et à mon avis, ça va être... eh ben, c'est notre emblème, mes amis. Eh ben, on a les quatre emblèmes. C'est magique. Magique et magnifique. D'accord. Ok. Et j'ai toujours pas mon étudiant en danger, non? On va voir. Ah non, je l'avais pas. Je l'ai pas, mon étudiant en danger. Voilà, hop, ça c'est bon. On va déjà détruire tout ça, là. Mon étudiant en danger, où es-tu? Par hasard, hein. Il est pas là, hein. Voilà.
Alors on va remplir d'eau maintenant, Vikingo. Agri, tu me protèges surtout. Ça serait bien. Voilà, hop. Là c'est bon. Une fois pour réparer et on va refaire ça une troisième fois. C'est bon. On a le champ libre. Non. Il me faut. Bah toi. Agri, vas-y. Est-ce que je peux passer? Laissez-moi passer, je veux passer, voilà. Je suis mort, pourquoi, moi? Allez, vas-y. Ouvre-moi ça. Eh bah tiens, c'est encore Agri dans mariage. Oh, c'est cool. Bon, j'ai toujours pas trouvé mon étudiant, hein. Alors, où est-il, mon étudiant? Ah non, il est là, regardez. Il est là, mon étudiant. Voilà, allez, vas-y. Allez, vas-y, hop, tu manges. Il était ici, le petit renard. Bah voilà, ça c'est bon tout ça. Maintenant, on va pouvoir attaquer maintenant quelqu'un de très fort. Bah tiens, je vais prendre Ginny, tu vois. Allez, on y va, on va faire... Voilà, alors, hop, et on va mettre du jeune, si on trouve le jeune. Violet, maintenant, il a changé. Voilà, hop. Le violet. Hop, on va mettre du rouge maintenant, hop, du rouge. Encore un petit carré. Je crois qu'on va faire que carré, je crois. Hein. Ah, t'es sérieux, je me suis protégé. Orange, voilà. Ah, maintenant ça a changé, c'est X. Dommage, ça prend pas quand même avec l'avant-dernier gameplay. Tu croyais m'avoir, toi. Yolé, yolé. Voilà, c'est bon. Et on prend le dernier cœur. Hop, c'est bon, on l'est. Bien sûr, Harry s'interpose pour éviter qu'il se fasse tuer sa copine. Hein. Ouais, moi aussi. Et on va découvrir que derrière, Rogue, eh ben, c'est le prince de sang mêlé. Attention, regarde, hop. Du sang mêlé avec une couronne, ça fait le prince de sang mêlé. Parce que ça se dit en anglais, bien sûr, là. Et bien sûr, nous avons Bellatrix étrange qui se fout, qui fait la merde. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Et bien, mes amis, c'est déjà la fin de ce marché. Nous avons pu récupérer les 4 emblèmes de Poudlard qu'on a eu. Facilement d'ailleurs, les 3 personnages qu'on a eu aussi facilement, mais que derrière, l'étudiant en danger m'a été un peu chargé. Bah, là, nous trouvons Hagrid en mariage aussi, le véritable 100%, véritable sorcier, pardon, ça nous fait 100%, une brique dorée en plus, hein. Bon, le nombre de pièces, c'est pour après, hein, vous verrez par la suite, je vous réserve une petite surprise. L'étudiant en danger qu'on a réussi à trouver. Et non moindre sans difficulté, et ben ça nous fera 166 briques dorées, mes amis. Et nous en reste moins de 40. Non, ouais. Et ben mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu avec le petit commentaire. Ça me ferait plaisir énormément. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, d'activer la petite cloche qui va avec et juste à côté. Hein. Vous pouvez pas la louper. Mais pour l'instant, moi je vais vous laisser entre une compagnie du prochain gameplay. Et je vous dis à ciao et à la prochaine fois. Bye.